J'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous retrouve dans une nouvelle vidéo tutoriel. Je vais commencer la série des tutos que ma copine Luna fait voter dans la banque Colo de Zazu. Donc aujourd'hui, nous allons faire un effet cuivre. Et là, c'est une première pour moi puisque je n'en ai jamais fait. J'ai fait quelques petites pratiques avant de faire la vidéo sur des feuilles pour les combos. Donc, j'espère que ça va vous plaire. Donc, on va passer plein bureau tout de suite et on va commencer ça. Donc, je suis présentement dans le Daydream de Anna Carlzone. Et, bon, j'ai ce colo-là qui est commencé. Je ne l'ai pas terminé. Je suis dessus. Je suis dessus. Et je fais d'autres colos au travers parce que j'avais fait ce fond-là à l'aquarelle. Mais ça fait vraiment longtemps. Et là, je me cherchais un colo pour faire l'effet cuivré. Et je me suis dit, lui, ça pourrait être bien. Et là, vous allez sûrement trouver ça bizarre parce que c'est pas censé être ce colo-là qui est à côté de lui. C'était une dame dans un genre de... je pense que c'était une ville qui avait en dessous d'elle avec des grands cheveux, mais j'aimais pas le colo, puis je l'avais raté, fait que je l'ai enlevé. Donc, sûrement que votre livre est pas fait comme le mien. C'est sûrement pas cette image-là qui est à côté de lui. Bon. En tout cas, c'est pas important, mais bon, je suis sur ce colo-là. Je vais peut-être l'utiliser pour faire une autre vidéo un peu plus tard. Je vais faire probablement un color and chat parce que je vais faire ma vidéo où est-ce que je réponds à tous mes commentaires parce que là, ça commence à s'accumuler et je vais reprendre le dessus. Bon, alors, là, je vais prendre les luminances pour faire le tuto cuivré, effet cuivré. J'espère que ça va donner ce que l'on veut. Je vais commencer, là, j'hésite. Comme je vous dis, j'en ai jamais fait, donc j'espère que ça va donner l'effet. J'hésite entre lui ou lui pour commencer. Je vais commencer du plus foncé au plus pâle, hein. Vous savez, je colore toujours de cette façon-là. Je vous ai dit, hein, j'en ai jamais fait. J'ai fait des petits tests, mais c'était pas complètement concluant. Donc là, je prie pour que ça soit correct avec vous. Bon, et puis ça fait un petit bout que je traîne ça, donc je me suis dit, ben là, je vais le faire parce que j'ai envie de faire ce colo-là. Et je me suis dit, ben ça va bien fonctionner pour faire un effet cuivré sur ce colo. Donc, on va utiliser les luminances. On va commencer avec le numéro 575, c'est le Carmine Lake, donc lac carminé. Je ferai pas tout le truc avec vous, hein. Je vais faire une partie pour vous montrer comment je vais faire l'effet cuivré. Donc, on va commencer avec celui-là. On va faire ici. Et là, j'appuierai pas sur mes crayons parce que je veux vraiment pouvoir mélanger mes couleurs ensemble. Donc là, si vous n'avez pas les luminances, hein, vous pouvez toujours aller chercher des teintes similaires. Là, ça, c'est un genre de brun avec une petite teinte de rouge dedans. Donc, un brun rougeâtre, quand même assez foncé. Et je vous conseille d'utiliser des crayons à base de cire pour faire ça parce que les couleurs se mélangent mieux. Et comme je vous dis, ben, je vais vraiment pas appuyer parce que je vais mélanger moi-même ma couleur. Donc, pire à la fin de la vidéo, je pense que je vais essayer de vous donner des combos, mettons, Prismacolor, Polychromos et je vous donnerai aussi un combo Brut Funard. Je sais que ces trois crayons-là, on est beaucoup à les avoir. Donc, restez jusqu'à la fin de la vidéo si vous avez envie de voir le résultat et vous avez envie d'avoir des combos cuivrés dans d'autres gammes de crayons. Donc là, on va y aller avec les luminances, parce que moi, je vais faire mon colo luminous. Et je crois qu'on m'avait demandé, de toute façon, de faire le tuto aux luminances. Donc là, ce que je vais faire, pour l'effet cuivré, vous pouvez l'utiliser dans n'importe quoi, hein. Vous pouvez l'utiliser, c'est sûr, moi, je ne mettrais pas un effet cuivré, mettons, dans des cheveux, là. Peut-être, ça pourrait fonctionner, mais... J'irais plus pour un métaux. C'est quelque chose qui est fait métaux, un pot, je sais pas moi, une horloge comme ça. Tout ce qui est métaux. Là, j'ai rien qui me vient en tête. Mais bon. Je ne mettrais pas ça sur un vêtement, peut-être. Je sais pas. Un vêtement qui a l'air métallique, là. Ben, ça se peut, hein. Si on,
On parle futuriste. Moi, je me rappelle quand j'étais jeune, quand on parlait du futur, on pensait que les gens allaient être habillés tout en métal, que les voitures allaient voler. Oh, Seigneur! Donc là, je vais faire, dans le fond, je vais faire les extrémités de mon ornement. Je vais commencer ici. Vous avez vu, j'ai fait les deux bouts. Et là, j'appuie dans le bout de mon ornement et je vais tout doucement relâcher la pression. Et à l'endroit où est-ce que je vais avoir relâché la pression, c'est là que je vais venir entrer mon autre couleur et faire un mélange. Donc là, je vais placer celui-là un peu partout. Et là, comme je vous dis, hein, je ne suis pas l'experte de cet effet cuivré parce que, comme je vous dis, j'en ai jamais fait. J'ai fait beaucoup d'effets dorés et argentés, mais les effets cuivrés, je ne sais pas, je pensais jamais à faire ça. Donc, j'espère que ça va être beau. Sinon, ben, ça sera un autre effet. Non, on va essayer de faire un effet cuivré, là, hein? La fille a dit qu'elle a fait un tuto effet cuivré, puis elle n'est même pas capable de le faire. Donc, je dégrade. Je ne sais pas trop quoi vous dire de plus, parce que c'est pareil partout. Donc, je fais les extrémités. Je n'appuie pas trop. On va plutôt venir faire du repassage. Donc, on va revenir avec cette couleur-là un peu plus tard quand on aura appliqué les autres pour ben, vraiment saturer la feuille au fur et à mesure. On ne veut pas saturer tout de suite le papier. On va peut-être en mettre un peu ici. Et là, si vous reproduisez le tuto, vous pouvez toujours venir me partager ça, soit dans la banque Colo d'Azou, qui est sur Facebook, c'est mon groupe de coloriage, ou sur Instagram, j'ai créé un hashtag qui est hashtag la banque Colo d'Azou. Ou si vous avez tout simplement envie de venir me le partager dans les deux, ben, allez-y. Et les liens sont en barre d'infos. Je fais ma pub tout de suite. Donc là, je vais m'arrêter là avec cette couleur-là. On va aller chercher une autre couleur. Et là, ce que je veux, c'est que l'effet cuivré, d'après moi, ça tire un peu sur la rouille. Bon, ça sera pas rouillé, hein, mais je veux pas m'en aller dans du jaune. Parce que si je mets du jaune, ça va me donner l'effet que j'ai fait du doré. C'est pas ce que je veux. Donc là, je vais y aller avec. On est toujours avec les luminances. Le roussette numéro 65. Donc là, je vais essayer d'aller me chercher une petite teinte orangée. Mais en gardant quand même un peu de brun. Donc là, je vais pas appuyer, encore une fois. Et je vais doucement intégrer de cette couleur-là. Donc, vous voyez, hein, je vais passer par-dessus ma précédente. Et j'appuie pas, hein, parce que je veux pas non plus qu'elle embarque complètement par-dessus. Parce qu'après, on va revenir retravailler avec notre couleur qu'on a pris précédemment. Donc là, je vais rajouter de celle-là doucement. On n'appuie pas. Ça va vraiment être graduel. C'est pour ça que je vous ai dit que je ne ferai pas tous les ornements avec vous. Hein. Je vais faire une seule petite partie pour vous montrer, dans le fond, le combo et comment je vais le travailler. Parce que sinon, ça va être beaucoup trop long. Moi, je vais le faire tranquillement là, au salon, hein, vous me connaissez. Et ben, je crois bien que je vais vous faire quelques tutos aussi ce mois-ci parce qu'il y en a plein qui avaient été votés dans la banque Colo d'Azou. Entre autres, c'est quoi là? Je les avais écrits. J'ai un tuto effet pluie à faire. J'ai un tuto éteint vieilli. Ça, c'est un peu comme un métaux, mais qui serait rendu vieux. Il y avait ça. Je les ai tous écrits, mais quand je viens pour les dire en vidéo, je ne rappelle plus. Mais bon, effet puits, effet éteint vieilli, il y avait l'effet cuivre que là, je suis en train de vous faire. C'était quoi les autres, donc? Et là, quand je vais avoir fini ma vidéo, je vais dire, ah oui, c'était ça, là, fallait que je fasse. Mais où c'est que j'ai foutu mon papier? Je ne sais pas où est-ce que j'ai mis mon papier. J'ai des papiers partout. Donc là, quand je cherche mes papiers, je ne les trouve pas. Où est-ce que je l'ai mis, mon papier? Je ne dis pas que j'ai perdu mon papier pour mes tutos. Oh, non. Je vais être obligée d'aller fouiller dans
mes conversations avec ma copine Louda. Le pire, c'est que j'ai un petit carnet de notes dans mon bureau où est-ce que je peux écrire toutes mes notes. Puis moi, j'écris ça sur des papiers, puis je laisse ça traîner un peu partout. Et c'est moi. Mais bon, je vais aller refouiller dans ma conversation avec ma copine Luna, puis je pense que je vais tout écrire dans mon cahier de notes que je viens de vous montrer. Comme ça, je vais être certaine de ne pas perdre mon papier. Mais de ce que je me rappelle, là, de mémoire, je dois faire un effet étain vieilli et un effet pluie. Mais il y avait autre chose, il n'y avait pas que ça. Ah oui, il y avait les tranches de citron. On m'avait demandé de faire des tranches de citron. Mais je sais qu'il y avait autre chose, en tout cas. Je vais essayer d'en faire le plus possible ce mois-ci. Et là, ne vous inquiétez pas, je n'ai pas encore commencé à colorier ensemble, mais ça s'en vient. Je vais vous faire ça bientôt. Je sais pas, on dirait que j'ai pas la motivation. Il fait super chaud dans mon bureau. Là, j'ai monté le ventilateur. J'espère que vous ne l'entendez pas trop. Mais j'ai pas le choix, sinon je vais mourir de chaleur. Donc là, on va y aller. Ouais, j'ai oublié de vous dire. Je suis tellement mémère que je vous fais un tuto puis je dis même pas ce que je fais. On va y aller avec une autre couleur maintenant. Ben, c'était pas compliqué, hein? Je vous l'avais expliqué au début. Dans le fond, ce qu'on faisait, c'est qu'on mélangeait la couleur doucement. On n'appuyait pas trop fort. Et là, on va y aller avec une autre couleur. On va y aller avec numéro 44, qui est le terracotta. Et là, on va venir mélanger celle-là dedans. Est-ce qu'on s'en allait un peu dans du orangé? Donc, j'appuie toujours pas. Et doucement, j'ai intégré cette couleur-là dans mon ornement. Donc là, je vais mélanger ça avec mes couleurs précédentes. Et on ne sert pas nos deux autres crayons, hein, puisqu'on va en avoir de besoin. Encore, on va revenir les utiliser tout à l'heure. Donc là, on rajoute un petit peu de celle-là. Et là, je vais venir en rajouter ici aussi. Peut-être un petit peu ici. Et là, je vais reprendre ma couleur, ma première couleur qui était le numéro 275. Et là, je vais repasser sur la première couleur. Je vais appuyer un petit peu plus au bout et je vais relâcher la pression quand j'entre dans l'ornement. Donc, j'appuie et je relâche doucement. On travaille en faisant un petit mouvement circulaire, ça l'aide à ne pas laisser de traces. Parce que je veux vraiment que les bouts soient quand même foncés pour aller avoir l'impression que c'est brillant. Parce qu'aux endroits où est-ce que ça va être pâle, ça va donner l'effet que c'est brillant si j'ai les bouts bien foncés. Bien brillant, reluisant, mettons. Donc là, je vais mettre celui-là partout où est-ce que je l'avais mis. Mais je vais appuyer un petit peu plus ici dans les bouts et je relâche. Je vais mélanger tout ça avec les autres. Et de toute façon, on va venir reprendre le combo par la suite. On va reprendre les deux autres couleurs qu'on avait utilisées. Donc là, ce que je vais faire, parce que c'est pas mal tout le temps la même chose, hein? On appuie, on relâche. Et ben, je ne sais pas trop quoi vous dire de plus. Donc, ce que je vais faire, c'est vous faire un petit peu d'avance rapide pour que vous puissiez voir. Et à chaque fois que je vais changer de couleur, ben, je vais vous revenir. Donc, là, on va y aller avec le 65, le rousset, hein, celui qu'on avait pris avant.
on va appuyer un peu à la où est-ce qu'on a mis celui-ci qui était le numéro 575. Donc là, je vais tenter de remplir tout ce qui reste de grains blancs et je vais relâcher. Donc, même chose ici. Partout où est-ce que j'ai mis le foncé, je vais faire la même chose. Donc, je vous laisse regarder. Ensuite, on va revenir avec le numéro 44 et on va reprendre encore les étapes. Donc, on passe par-dessus celui qu'on vient de mettre et on va doucement intégrer celui-là. Donc, j'appuie et je relâche. Donc ensuite, un coup j'ai fini de mettre celui-là, là on va venir se chercher une nouvelle couleur et je vais y aller avec du rosé un petit peu. Parce que je trouve que dans l'effet cuivre, on dirait des fois qu'il y a une petite teinte de rosé. Donc là, on va juste l'aiguiser. Et on va prendre le numéro 68 qui est le rouge Herculanum. Tu parles d'un nom, toi? Numéro 68. Donc là, avec celui-là, je vais repasser encore une fois sur mes couleurs. Et là, cette fois-ci, je vais appuyer un peu. Je vais me servir un petit peu de celui-là comme blender. Mais quand j'arrive ici, je relâche un peu. Parce que je veux me garder quand même un endroit qui va être très, très pâle pour me donner l'effet que j'ai un reflet. Donc, j'appuie ici et je relâche doucement. Et je vais juste pour dire teinter à ce niveau-là. Et après, on va venir travailler avec du blanc. Je vais utiliser le blanc des Prismacolor, bien sûr. Et là, ici, je vais repasser. Vous voyez, je vais vraiment me servir de celui-là comme blender. Je vais passer par-dessus mes couleurs précédentes pour être certaine qu'il ne me reste plus de grains blancs, de grains de papier au fond. Là, je vais utiliser mon blanc des Prismacolor. Où es-tu rendu, toi, blanc des Prismacolor? Pourquoi je vais utiliser le blanc des Luminances? Ça va faire pareil parce que je trouve qu'il va bien le blanc des Luminances, mais là, c'est pas ça. Ah, OK! Non, j'utiliserai pas le blanc des Luminances, je vais utiliser mon blanc Prismacolor. Je l'ai trouvé. Donc là, je ne le trouve pas.
ma petite aiguisoire parce qu'il est rendu tout petit, mon blanc. Je sais pas si on a un autre ailleurs, peut-être. Mais voyons aussi que j'ai mis mes blancs. Bon, OK. J'ai trouvé mon blanc des prismacolores. J'en ai un peu partout, hein? Donc là, ce que je vais faire avec mon blanc, ben je vais vraiment tout remplir où est-ce qu'il restait du pâle. Et je vais me servir en même temps de celui-là pour enlever tout le grain qui pourrait rester de la feuille. Donc, je vais repasser. Et comme vous avez pu voir, hein, je ne vais pas trop aux endroits où est-ce que c'est foncé. Je vais vraiment rester dans le centre avec mon blanc parce que je ne veux pas trop pâlir non plus mes extrémités. Et là, ici, je vous dis, je ne vais pas y aller, mais je vais juste passer doucement pour enlever le grain du papier. Parce que je ne veux pas qu'il reste de grain. Donc là, oups! On va passer les petits pinceaux. Et la dernière petite étape, ce que je vais faire, je vais prendre du noir, et là, en petite dose, hein, je vais prendre le noir des luminances et je vais doucement, je ne vais pas appuyer, je vais juste pour dire aux endroits où est-ce qu'on avait mis notre brun rougeâtre, là, je vais venir un peu foncer avec mon noir à ce niveau-là. Donc vraiment, je n'appuie pas, j'y vais graduellement. Partout où est-ce que j'ai mis le foncé, je vais venir mettre un peu de noir. Donc là, un coup, j'ai passé mon petit pinceau un peu partout, que j'ai repassé mon noir. Je vais prendre un artistro métallique. Ça va vraiment mal aujourd'hui pour la vidéo. Le chat passe. Qu'est-ce que tu fais là? Tu peux pas rester là. Enlève-toi. Ah ouais. Ah oui. Bon. Désolée. J'arrête pas de déparler. Là, je passe dans la caméra. Pas sûr de mon combo. Vraiment, vidéo catastrophique. Donc là, je vais utiliser un artistro métallique. Et c'est difficile de vous dire c'est quoi la couleur, mais c'est comme un cop. Couleur copper, là. Un genre de métallique orangé, mais tirant sur le brun. Je sais pas si c'est clair, là, mais bon, c'est du mieux que je peux. Je vais vous faire un test à côté pour vous montrer ce que la couleur, ça va être mieux que si je vous l'explique. Donc là, je suis en train de le partir aussi parce que les artistros, faut toujours les repartir, sinon on n'a pas la bonne couleur. Donc là, je vais vous montrer de plus près ce que ça donne un peu comme couleur. Donc c'est un orangé un petit peu cuivré brun. Voilà. Donc je vais contourner avec ça. Donc là, je vous laisse en musique hein, pour cette étape-là. Je vais tout simplement reprendre toutes les lignes de l'illustratrice.
ça donne. Vous me direz ce que vous en pensez de l'effet cuivré. Comme je vous dis, hein, c'est mon premier. Donc là, ce que je vais faire, je vais vous donner d'autres combos dans d'autres crayons, hein, parce que je sais que c'est pas tout le monde qui a les luminances. Donc là, je vais vous les faire sur une feuille. Donc vous pourrez voir, je vais essayer de vous en donner qui sont pas exactement pareils pour faire plusieurs genres d'effets cuivrés. Parce que là, moi, je les fais vraiment orangé, brun, foncé, mais on peut le faire de d'autres façons. Parce que moi, comme je vous dis, ça fait un petit bout que je le teste pour essayer de vous faire le tuto. Donc là, on va se mettre sur cette feuille-là et on va aller avec, pour commencer, les polychromos. Donc, je vais vous en donner un au polychromos, un au Prismacolor, un au Brut Fumeur. Donc, vous aurez quatre combos avec celui des luminances. Là, je suis vraiment mal prise parce que je n'ai plus de batterie sur mon téléphone parce que je filme avec mon téléphone. Et là, mon fil est toujours dans les jambes. Donc là, c'est pour ça que vous bougez de temps en temps. Donc là, j'essaie d'accrocher mon fil pour pas être toujours en train de l'accrocher. Bon, OK, ça devrait plus bouger. Je suis désolée. Donc, ben, je contournerai toujours avec ce crayon-là pour faire l'effet cuivré. Sinon, alternative avec les Posca. Je l'avais déjà fait quand j'avais fait mes tests. Je le contournais avec celui-ci, qui est 1M, mais je pense que vous pouvez le retrouver dans plusieurs grosseurs. Donc, c'est le brun marron, le numéro 21. Donc, moi, si vous vous aimez cacher les lignes, hein, bien sûr, vous pouvez y aller avec ça. Sinon, si vous avez les... Je sais qu'il y a un autre crayon qui pourrait fonctionner dans les Uniball. Si je l'ai avec moi, bien sûr, là, je regarde mes stylos gel. Vous voyez, il y a celui-là, qui est comme un genre de rouge, mais cuivré un petit peu. Donc ça, ça pourrait fonctionner pour contourner. Et les Uniball, hein, ils sèchent sur le crayon de couleur. Donc ça, c'est important parce que c'est pas tous les stylos gel qui le font. Donc voilà pour ce qui est des cachages de lignes. Donc là, on va regarder dans nos polychromos qu'est-ce que j'aurais utilisé si je l'aurais fait avec les polychromos. Donc, j'aurais commencé avec celui-ci qui est le numéro 283. Donc là, hein, je vous le fais en exemple. Mais faut le travailler doucement. Là, moi, je ne vais pas non plus m'attarder là parce que sinon la vidéo finira plus. Mais quand même. Allez-y doucement, on le travaille comme on a travaillé celui qu'on vient de faire avec les luminances. Donc là, ça serait, mettons, mon extrémité de, mettons, mon ornement ou de mon vase ou peu importe hein, ce que vous avez envie de faire en effet cuivré. Donc, j'irai avec celui-là. Ensuite, j'irai avec celui-ci qui est le numéro 188. Donc là, je viendrai le mélanger à ma couleur précédente. Donc là, je viendrai par-dessus, doucement. Hein? C'est sûr que là, je le fais rapidement. Donc, si vous le travaillez plus doucement, ça va être encore plus joli. Donc là, on vient le mélanger au brun. Donc là, on vient chercher un peu notre teinte orangée, un peu rouillée. Et là, il est mal travaillé, hein, parce qu'on voit vraiment la démarcation. Donc, vous savez hein, que les polychromos, ça se travaille pas en un claquement de doigts, mais là, je le fais rapidement. Ensuite, là, prenez des notes, hein, parce que je vous donne le combo. Ensuite, j'irai avec... attendez, il faut que je regarde, parce que moi, je ne note jamais les combos. ensuite, j'irai avec celui-ci. Qui est le numéro 186. Donc, vous viendrez intégrer celui-là. Ensuite, j'irai avec celui-ci, mais là, je ne me rappelle plus. Attendez. Est-ce que c'est les mêmes? Je ne sais pas si je me demande. Ouais. OK. Ensuite, j'irai avec le numéro 189. Les polychromos, bien sûr. Donc là, vous voyez, je m'en vais chercher un peu ma teinte de rosée. Mais pas trop. Pas non plus un rose bonbon. Là. Un petit rosé.
Donc là, je viendrais m'en servir un petit peu comme blender. Je repasserai par-dessus toutes mes couleurs avec celui-là. Et ensuite, ben, je terminerai probablement avec le blanc des Prismacolor. Et là, vous imaginez hein, qu'il y a deux extrémités et le centre est plus pâle. Donc là, je finirai ça avec les Prismacolor au bout, où est-ce que ça deviendrait plus pâle. Fiez-vous pas à ça. Et ensuite, je prendrai le noir, pareil comme j'ai fait dans mon avec celui avec l'illuminance, et je viendrai un peu foncer aux endroits où est-ce qu'on avait mis le brun. Et là, c'est à travailler doucement. Hein, vous refaites plusieurs passages. Même principe, c'est juste que là, c'est un autre combo. Donc voilà pour les polychromos, ça serait ce combo-là. Donc là, je vous le redis, 200 Burnt Sienna, 283, pardon, sont difficiles à voir les numéros. Ensuite, j'irai avec le Sanguine, numéro 188. Ensuite, on irait avec le Terracotta 186. Et je terminerai avec celui-là, qui est le 189, le Cinnamon, qui est cannelle. Et on vient foncer un petit peu nos endroits plus foncés avec le noir. Et on bien sûr, on va repasser par-dessus le cannelle, le 189, avec le blanc que vous préférez. Moi, je vais toujours avec le Prismacolor parce que c'est celui-là que j'aime. Mais allez-y avec votre préféré des blancs. Donc voilà pour les polychromos. Maintenant, je vais vous donner un combo pour les Prismacolor. Donc là, pour les Prismacolor, j'ai un petit peu plus de couleurs. J'avais appuyé sur pause pour pas vous faire trop attendre pendant que je choisissais mes couleurs. Donc voilà ce que j'ai sorti. Donc là, je vous donne tout de suite le combo et je vais le faire sur la feuille pour que vous puissiez voir ce que ça donne. 946, brun foncé. Terre de sienne, 945. Ensuite, le 943 ocre brûlé. Orange citrouille, 1032. Nectar, 1092. Et je terminerai ça avec du blanc et le pêche, 939. Donc là, je vous fais l'exemple sur la feuille pour que vous puissiez vous faire une idée de ce que ça donne. Donc, on commence avec celui-là, un petit peu plus foncé, celui-là. Mais comme je vous dis, l'effet cuivré, on peut le faire de plusieurs façons. Tout dépend ce que vous avez envie de faire. Est-ce que vous avez envie qu'il soit un petit peu plus rosé, un petit peu plus foncé, un petit peu plus brunâtre? On peut s'amuser avec cet effet-là, moi je trouve, en tout cas. Donc, après avoir appliqué lui, là je vous le fais rapidement, bien sûr, encore à travailler doucement. Vous mélangez doucement vos couleurs, vous faites plusieurs passages. Là, je vous le fais en un coup, mais je travaillerai plus doucement dans un colo. C'est juste un petit peu pour vous donner une idée. Et là, tout le combo que je vous ai donné, c'est en ordre. Donc, je ne change pas l'ordre du combo que je vous ai donné. Donc, vous voyez, hein, je viens tout le temps repasser sur mes couleurs précédentes et ensuite, je viens dégrader doucement pour intégrer la prochaine couleur. On commence à mettre notre couleur orangée. Vous me direz en commentaire lequel vous avez préféré, dans quelle gamme de crayons. Ensuite, je vais avec le nectar. Et là, si, mettons, vous n'avez pas de place pour mettre toutes ces couleurs-là, parce que ça se peut, hein, des fois, c'est des plus petites zones qu'on va colorier, mais moi, j'éliminerai le nectar, j'irai tout de suite avec le pêche. Mais si vous avez de la place pour le mettre, mettez-le parce que le pêche, il va plus s'intégrer dans le nectar que dans le orange citrouille. Donc là, on termine ça avec le pêche et on viendrait mettre du blanc sur le pêche pour relier. Vous savez qu'ici, ça serait foncé, hein? Là, je le fais d'un seul côté. Et ensuite, ben, on irait avec le noir. Là, je prends celui des luminances parce qu'il est sorti. Je viendrais un peu foncer mes extrémités. Voilà. Donc voilà pour les Prismacolor, ça serait ce combo-là. Là, j'appuie sur pause, je prépare un combo dans les brufineurs. Donc, combo brufineur, j'ai pris quand même pas mal de crayons pour celui-là aussi. Le Bistre 113, et là, moi, c'est la boîte de 180, hein, parce que là, je sais qu'ils ont sorti toutes sortes de boîtes. Là. Ensuite, numéro 10, le Coffee. Numéro 94, Brick Dust. 78 Light Ocre, Nude
numéro 17. Et je terminerai avec le Shallow Yellow numéro 84. Donc là, je vous fais l'exemple sur la feuille. On va se mettre ici. Donc, même chose, on le travaille doucement. On fait plusieurs passages. Et là, écrivez-les, hein, les amis, parce que moi, je les écris pas. Donc, je ne saurais plus si jamais vous venez me demander mon combo. Là, je vais être obligée de regarder la vidéo à mon tour parce que je vous donne les combos et ensuite, moi, je resserre les crayons. J'écris jamais, jamais les combos. Je sais pas, ça me tente pas. La flemme, j'aime bien essayer tout le temps des nouveaux combos. C'est pour ça que je les écris pas. Donc, ensuite, j'irai avec lui, ouais. Donc, je le place en ordre que je vous l'ai dit, hein. Je ne déplace pas l'ordre des crayons. C'est sûr que si on travaille doucement, ça va être beaucoup plus joli que travailler comme ça, là. C'est juste pour vous donner une petite idée. Et même chose pour celui-là, je viendrai mettre du noir à l'extrémité et terminer avec le blanc. Lui est un petit peu plus jaunâtre, celui-là. Si vous n'aimez pas le jaune, ben terminez avec le nude. Mettez pas le yellow ochre. Pas yellow ochre, le shallow yellow. Vous pouvez l'éliminer, mais si vous aimez bien l'effet comme ça, vous pouvez le faire comme ça. Donc voilà les amis, ce que ça donne pour les combos cuivrés. D'après moi, ça donne l'effet. Je vous montre de plus près. Ici, on avait Polychromos, ici Prismacolor et là, Brutfuneur. Et je vous montre le Luminance. Je le trouve un peu trop rougeâtre, celui-là. J'aurais peut-être dû le faire. Moi, mon préféré, là, si vous voulez que je vous réponde, je prendrais celui des Prismacolor. Je trouve que c'est celui-là le plus beau. Mais bon, là, j'ai commencé avec l'Illuminance, donc je vais terminer mon colo avec celui-là. Vous pourrez voir ce colo-là dans mon Instagram, si vous me suivez, hein, bien sûr. Et si vous ne me suivez pas, ben, je vous invite à le faire. Les informations sont en barre d'infos pour ça. Sinon, ben, vous allez peut-être le voir aussi dans la banque colo d'Azou, mais sinon sur Instagram, je publie tous mes colos. Des fois, la banque colo d'Azou, je garde des petites surprises pour la vidéo des coloriages terminée du mois. Donc voilà, alors j'espère que ça vous aura plu, j'espère aussi que ça pourra vous aider. N'hésitez pas à me dire en commentaire avec quel crayon vous avez préféré. Est-ce que ça répond aussi à votre demande? Parce que comme je vous dis, j'avais jamais fait ça, des effets cuivrés. Je fais toujours doré, argenté, cuivré, je sais pas, j'avais jamais pensé faire ça. Pourtant, j'aurais dû, mais bon, je n'avais jamais fait. Donc, j'espère que ça pourra vous aider et que ça vous aura plu. Donc, si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu et à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. N'oubliez pas de me rejoindre dans la banque colo d'Azou ainsi que sur Instagram. Et moi, je vous dis à bientôt dans une nouvelle vidéo.